Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Allô, Mora. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire. Le professeur Rockwood avait raison.
Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. C'est la révolte de Ranrock. Ça me rappelle la fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'avais joué. J'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors... À moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour. Amène-moi l'enfant. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens. Oui. J'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Entrons dans ce château. Tu as un dernier message à faire passer à ta maman? Ah, comme c'est gentil. Avec pas assez de risques. Pas de peine d'avoir mis les pieds ici. On a eu assez. Oh.
J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Ces symboles sur les murs ont-ils une... Oui, j'ai déjà vu des symboles similaires. Je dois tous les trouver, puis leur lancer un sort en succession rapide. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. Lumos. Lumos. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. Ça a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là ? Ranrok a dit qu'il y en avait d'autres à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est-ce qu'on rentrait ? J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Professeur Rokud, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si, comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau, alors cela signifie que... c'est impossible. Et ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Dites-moi simplement où aller. Croyez-moi, avant de l'utiliser,
Vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi seulement où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Je me joindrai à vous si je le pouvais. Je vous attendrai dans la salle. Je dois me positionner ce pilier pour sortir d'ici. Peut-être que la solution réside dans l'arche. Ce pilier bloque la route. Je vais devoir le déplacer.
Revelio. Je crois que je dois aller à gauche ici, mais comment ?
Yeah.
Quel soulagement. J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Isidora. Qu'avez-vous fait ? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora. Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Vous êtes de retour. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Je suis prête à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Bien sûr. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant,
vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrok et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Nati m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Lorsque vous aurez un moment, passez voir Chick dans la salle sur demande. Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. Qu'est-ce que vous mijotez ? Il m'a été demandé de vous enseigner le sortilège d'explosion, Bombarda. Revenez me voir après les cours, quand vous aurez accompli les tâches que je vous ai confiées. Encore un. Je suis sur la bonne voie avec ces jetons. Il s'est transformé en plateau avec de longues oreilles.